bonjour à tous mes petits farfadets nationaux et bienvenue dans Jean-Marie Le Pen Gaming. Vous aurez remarqué, n'est-ce pas, que dans ma vie familiale, je me suis fait bolosser tel un Ghanéen qui arrive à l'heure de fermeture du KFC, n'est-ce pas? Et je pense que la story est une true story de ouf, n'est-ce pas? C'est pourquoi je n'ai pas eu le temps de vous concocter cet épisode plus tôt. Ah, Streets of Rage, les rues de la rage, il semblerait, n'est-ce pas? Bon, je m'en vais choisir mon personnage, je pense que le jeune blond aux yeux bleus me sied parfaitement. Encore que moi, je serais plutôt celui qu'on appellerait le blond à l'œil bleu, n'est-ce pas? C'est donc sur une musique passablement homosexualisante, n'est-ce pas, que je me bats contre des rouquins. Je vais vous faire courir, moi. Bande de rouquins, va. Ah non, mais là, je me fais bolosser à moult reprises. Il me faut de l'aide. Jeanne, au secours. Comme disait mon grand-oncle en Indochine, le napalm, ça calme. LOL. Bref, après cet appel à l'aide pixelisé, j'ai décidé de me tourner enfin vers les vrais bails, n'est-ce pas? Resident Evil 5, les jaloux diront Somalie, les vrais diront Seine-Saint-Denis. Voilà, calmez-vous les indigènes. Je ne suis pas comestible. Ma chair n'est pas halal. Voilà. Laissez-moi partir maintenant. Merci bien. Salam alaikum. Voilà. Je vais donc enfin m'armer. On est enfin prêt pour faire la guerre aux cheveux rebelles et aux pointes cassantes, n'est-ce pas? Mais que vois-je au loin? Le cadavre de la mère de Bambi? Mais... quelle bande de sagouins! Je savais que c'était leur faute! Je savais que c'était la faute aux émigrés! Ça, ils le disent pas dans Disney! Ils ne l'oseront jamais le dire! La maman de Bambi, never forget! LOL, mais qu'est-ce que vous voulez que je foute avec une plante verte? Dans Resident Evil, on tue des zombies! Si je me fais attaquer par des zombies, je vais quand même pas me faire une infusion, MDR! Alors j'imagine bien que vous autres, durant Hiroshima et Nagasaki, vous faisiez du thé pendant que la bombe H vous tombait sur la tête! Mais moi, j'ai qu'autre chose à foutre! Ah, bonjour, Maître Gims! Alors, ça va? Tranquille, au calme, posé? C'est quoi les bails? On n'a pas encore touché ses droits de SACEM? Allez, dis-moi tout, Maître Gims! Voilà, écoute, avec ça, si tu fais vraiment un deuxième album, faudra vraiment que tu sois un zombie pour revenir sur Energy 12. Tiens, ben pour la peine, on va toucher à ton poste. Les jaloux diront Cyril Hanouna. Ah, il semble que j'ai été spoté par les haters. Et que cette bande de jeunes FDP vienne de me réclamer l'argent des abonnés. Vous n'aurez jamais l'argent des abonnés. Vous n'aurez jamais. Passez-moi sur le corps s'il le faut, mais je ne vous donnerai jamais l'argent des abonnés de Jean-Marie Le Pen Gaming. Allez, venez, lâche-moi, sale albinos. Aldin un peu pâle, va te maquiller avec des vidéos d'Enjoy Phoenix et ne fais plus chier. Mais lâchez-moi, monsieur du Ku Klux Klan. Et ne me faites pas de mal, vous savez, mais je suis Jean-Marie Le Pen, je suis un ami. Laissez-moi tranquille. Non mais... ah, ben merde alors. Bon, écoutez, je pense que la partie est finie pour moi. C'est marrant, n'est-ce pas? Dans mes cauchemars les plus atroces, c'est comme cela que j'imagine mon décès, n'est-ce pas? En train de me faire bolosser par des immigrés qui sont jaloux de mon swag naturel. I'm racist and I know it. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Yo! Quand je suis à Saint-Cloud, les Roumains, je leur donne des coups. Quand je suis en PACA, je leur roule dessus avec ma Ford K. Quand je passe au Languedoc, je me débarrasse de tous les Shintoks. Et quand je suis sur ville juif, je fais rien. Excusez-moi. Bon allez, on recommence. Mais ces gens-là crèvent la gueule ouverte et ne se rendent pas compte qu'ils laissent tomber leur argent. C'est bien la peine de leur envoyer des dons humanitaires, lol. Mais elle est où la sortie, bordel? Et Google Maps qui ne veut pas s'allumer? J'ai bousillé tout mon forfait data. Ah, il m'a arrêté de m'attaquer, monsieur Ku Klux Klan, puisque je vous dis que je suis l'un de vos plus fidèles collaborateurs. Putain, il est complètement con lui aussi. Ah, merci de me soigner, Marie-Denise. Ils sont prévoyants d'avoir mis une infirmière antillaise en tant que partenaire. Bon, c'est pas tout ça, mais là, je ne suis pas bien, donc votre morale, vous allez la faire à d'autres. Ah, bah, Marie-Denise, ou qu'à réveiller, ou qu'à continuer, n'est-ce pas? Faut croire que les Antillais n'ont pas usurpé cette réputation de feignant. Ah, elle est morte, d'accord. Bon, bah écoutez, je vais peut-être m'arrêter là, sur ces belles paroles. C'était Jean-Marie Le Pen pour Jean-Marie Le Pen Gaming.
Quant à savoir si je ferai un prochain épisode, en tout cas, je ne sais pas encore, n'est-ce pas, si je serai encore vivant. J'en appellerai encore certainement à Jeanne d'Arc d'ici là. À bientôt, je vous fais des gros bisous. Et surtout, mes petits farfadets nationaux, abonnez-vous, wallahi bilaï!